Moi je suis morte personnellement, c'est un mort senti maintenant là. Il fait froid et puis Oui, froide. J'ai glissé. Ils ont glissé, ils sont venus à la nage au milieu sur le panel. C'est pas ça le but. C'était très très drôle. Hein. La mort. Je viens de Châteauroux, c'est Châteauneuf. C'était cool, mais juste un peu physique. Un peu physique, ok. C'est le parcours du combattant. C'était un peu physique. Voilà. Tu l'as terminé? J'ai terminé. Super. Okay. Voilà, je m'appelle Romain, je suis animateur des Martinets. J'ai bien aimé le parcours tous les jeux. Voilà, c'est tout. Parfait, merci. Moi, je m'appelle Nathan. Je viens de l'hiver sur Creuse et Preuilly sur Claise. Je suis au lycée d'Argenton, donc à Châteauneuf. Bah, la journée en vrai, j'ai bien aimé. Bah, le seul problème, c'est qu'évidemment, c'était bien. Alors bonjour, on se présente, on est le lycée Balzac d'Alembert, on est l'équipe numéro 5 et ce matin on a commencé par VTT, le biathlon. Ce qu'il faut faire c'est vraiment se concentrer à aller le plus vite possible au vélo parce que c'est compliqué à réussir à faire à marquer tous les points. Donc dans tous les cas faut sprinter au vélo. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Après on a fait le ski. Après le ski c'est quelque chose, c'est de la cohésion et donc de la cohésion dans les consignes mais aussi dans les jambes, et ça c'est compliqué. Donc ça on va dire c'est l'exercice qui nous a le plus pénalisé, mais là on va se reprendre et puis on a tout gagné. Et ensuite on a fait paddle et là on moi je les accompagne, je les coach entre guillemets et je les prends en vidéo et en photo. Bon après-midi. Voilà, c'est midi. On a fait le canoë ce matin sur on a fait les deux parce que ils peuvent pas faire eux. Après on a fait du monkey, on a eu 119 points et ensuite on a fait vélo voilà et on a fait du tir aussi. Au final on avait dit qu'on avait gagné. On a gagné la course. Personne qui peut faire des photos. Non mais en fait ça s'est pas passé. On a pas fait des records partout. Mais on s'est pas mal débrouillé. Et voilà, on a débrouillé.